La victime de cette trahison, selon lui, c'est le peuple suisse qui avait dit oui à l'initiative de l'UDC le 9 février 2014. Seulement, par un tour de passe-passe, les magiciens du Parlement fin 2016 ont fait disparaître son vote derrière un écran de fumée. Mais revenons tout d'abord au début de cette histoire, à l'argument de base de l'initiative. Une certaine immigration pour un pays est positif et même peut-être une nécessité. Mais que tout le monde puisse venir, c'est une erreur totale. L'avocat argovien Lutzi Stamm au Conseil national depuis 1991. Le texte de l'initiative du 9 février, c'est lui. Il demande que la Suisse puisse gérer elle-même son immigration en fixant des quotas annuels dans le respect du principe de la préférence nationale. 100 000 signatures et la machine démocratique est lancée avec, première étape, le débat au Parlement. Ces migrants qui arrivent en masse dans notre pays vont à coup sûr tirer la Suisse vers le bas. Et c'est pour cette raison que notre initiative est née.